Bonjour tout le monde et bienvenue à Roller Coaster Tycoon 3. Mon nom c'est Malonk Daniel, puis aujourd'hui on va jouer à ce jeu qui est un jeu absolument plaisant, super le fun à jouer. Un jeu où tu peux bâtir tes montagnes russes, puis ensuite t'asseoir dedans, puis partir comme un fou, puis on espère juste que tu vas pas partir malade, devenir malade. Je fais des vidéos d'habitude pour ma nièce, série Allo Mia, que j'invite tout le monde à aller voir. Par contre, j'avais goût de faire quelque chose un petit peu différent, donc je me suis dit une vidéo Let's Play ou jouons. Ça va être une expérience, quelque chose d'intéressant à essayer. Donc, on va essayer avec ce jeu-ci, qui est un jeu que j'ai perdu beaucoup de temps de ma vie à jouer. Bon, alors voici, fermé, je me suis bâti ce scénario ici. Un beau petit scénario, parce qu'on a un petit parc que vraiment j'ai le but de remplir, puis ensuite, comme on fait de plus en plus d'argent, bon, on va acheter du terrain, puis on va commencer à bâtir un parc alentour. Pour les gens qui ont vraiment jamais joué à ce jeu-ci, si vous allez voir, c'est pas mal le fun. Tu bâtis vraiment ta montagne russe, puis ensuite tu peux t'asseoir dedans. Puis il y a d'autres rides en plus des montagnes russes. Puis en plus de ça, il y a différentes choses que tu peux faire, comme genre des parcs aquatiques. Tu peux aussi faire des genres de safari. Donc on va s'amuser avec ça. Mais on va commencer à bâtir notre parc. Ben, disons, la région... Wow! OK. La région ici de notre parc qui va être le parc initial, le parc au début. Donc, un petit parc famille. Dans tout parc, il nous faut un manège. Dans tout parc, il nous faut des tasses. Et puis, dans tout parc, il nous faut des montagnes russes. En bois, j'ai dit... Oui, montagnes russes en bois. Puis, une pitoune. Canal à rondin. Qu'est-ce que c'est, ça? OK! Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va juste... Aïe, comment ça fait noir? On va ajouter... Là, on va essayer de garder tout symétrique. Là. Ouais, c'est bon ça. OK, on va commencer à mettre notre manège. Manège. Un beau petit carrousel. Ça ici, ça va être Main Street. Même que la main, elle devrait être plus large que un, non? Je vais avoir une idée. Wow! Quand ça flash de même, c'est parce que la journée... La nuit, elle vient de finir, la journée, elle vient de recommencer. Bon, OK. Ça. Tiens, ça fait un beau... Main Street, comme si tu vas à Disneyland. Il y a un beau gros Main Street en plein milieu. OK, on va carousel. 1, 2, 3, 4. Entrée, sortie. Ça. Et puis... Ça. Et puis on fait un test. On l'ouvre. On check c'est quoi. 1.5. Le truc ici, pour être capable de mettre, parce que là on veut charger de l'argent, tu vois, on charge ici une pièce, ben on va dire, OK, mon excitation est à 1.5, donc je peux charger 1.5$. Donc si je suis capable de bâtir, puis on va en bâtir bientôt, des montagnes russes avec des excitations de 5 ou de 6 ou de 7, eh bien on peut mettre 5, 6 ou 7$ comme prix d'entrée. Tant que le prix d'entrée du parc est à 0. Donc là, je viens d'ouvrir mon parc. Et puis, on va attendre. Y a-t-il du monde qui va rentrer dans mon parc? Hey! Allô? Comment ça va? Tes pantalons, y'a de la drôle un petit peu. Ah, puis il mouille. Il mouille, OK. OK. On va mettre un affaire de... On va faire ça. Putain. Je peux acheter des parapluies, là. Hey, partez... Non! Tourne de bord! Hey! Il est-tu ouvert, même, lui? Ouais, on va... Ça, il y a plein de choses qu'on peut faire ici. On va le renommer. On va l'appeler Carousel. C'est-tu même t'écris Carousel? Puis, on va faire ça rouge, puis on va faire ça bleu, puis on va faire ça noir, c'est pas grave. Ouh! Plus de monde.
Hey, vous êtes revenu! Ah, je m'excuse, je pensais que vous partiez. Oh, excuse. Excuse, toi, hey. Ouais, ben c'est ça. C'est comme. Bon, oui, c'est ça, acheter des parapluies. Le truc de mon scénario, moi, que j'ai fait, j'aime pas nécessairement un scénario sandbox où ce que tu peux juste aller faire tout ce que tu veux, puis t'as pas besoin de se bordrer de l'argent. Moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je me donne 5 000 $. Puis je pense que je peux avoir des prêts jusqu'à 20 000, jusqu'à 30 000. Donc, faut que je devienne performant, faut que je fasse de l'argent, parce que sinon, après un bout, je vais juste commencer à perdre de l'argent, puis là, je vais plus être capable de rien faire. Wow, il y a du monde tout à coup. Pourquoi tout le monde. Pourquoi vous. Venez ici! Ok, peut-être qu'ils veulent. Ok, on va ajouter les tasses. Les tasses, c'est absolument nécessaire. Là, puis là. Comme ça. Alright. On teste, on ouvre. 2,65. Donc, on va mettre à 2,60. Yeah! Alors, est-ce que je fais ça comme si c'était un parc ici à Montréal ou est-ce que je fais ça comme si c'était un parc genre à Paris? On va faire ça comme si c'était un parc ici à Montréal. On va appeler ça Taos. C'est des Taos. C'est pas des tasses. C'est pas des tasses. C'est des Taos. Puis on va mettre un petit peu de musique. Alors, si on se met proche, on peut entendre la musique. Yeehaw! Là, tout le monde sont super contents parce qu'ils vont aller, puis ils vont écouter la musique. Puis, ah, oh, des canards! Voyons. Tain! Ha ha ha! Pow, pow, pow! Pow! Ah, des canards tout nus. Il est tard. Je suis fatigué. Ça paraît-tu? Ok, cool. Oh. Je suis vite ici. Yeehaw! Des toilettes, il nous faut toujours des toilettes. Puis. Un guichet automatique. Il nous faut toujours ça. Attends. Parce qu'aussitôt que les gens ont plus d'argent, ils vont quitter. Si tu mets ça, ben là, tout à coup, les gens, quand ils ont plus d'argent, ils vont les retirer. Là, il nous faut encore une pitoune. Puis il nous faut une montagne russe. Tu vois? Ça ici, c'est la région-ci. Ok. On va créer une montagne russe dans la région d'ici. Et puis, ça, c'est du bois. Donc, on va choisir des couleurs de bois. Bois avec bois. Puis, un petit peu plus de bois. Pourquoi pas? Ok. Puis, on va bâtir ça ici. Boum, 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 boum. Toujours le fun quand tu passes sur une montagne russe. Juste de. Ben, ça va donner un petit oomph. Puis toi, on va faire station, 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 station. Vision. Ok. On va aussi mettre le test, comme ça au moins on va avoir un petit quelque chose, un petit genre de train qui va bouger avec nous. Puis on va laisser le temps rouler, comme ça on fait de l'argent pendant qu'on bâtit. Ok. On tourne. Puis là, on. Pique. Ah! Ok. On met des caméras. Faut toujours mettre des caméras, bien sûr. Oui. On monte. On monte. On monte. Oh, j'ai plus d'argent. Ok. Donc là, on protège notre budget. On dit qu'on se donne un autre 10 000. 10 000. Avant qu'on commence à stresser. Ok. On va rentrer dans la terre. Ha ha! Comme ça. Comme ça. Ouais! Il y a du monde qui sont en train d'être malin. Ouais, il faut qu'on embauche du monde qui vont ben, réparer les manèges dans notre parc, puis aussi qui vont nettoyer notre parc. Donc, pour le moment, on a juste deux rides. On. Oh. C'est pas populaire, ça. On va faire ça comme ça. C'est pas ça que je voulais faire. Ah oui, avance. Avance! Putain. Bon. Je m'excuse. Non, je voulais pas vous. Non! Non, revenez, revenez. Oh. En tout cas. J'ai dit ça. Puis ici, ça c'est important, la paresse. 81% de paresse. Chris. Puis 30%. Ok, alors moi, qu'est-ce que je fais tout le temps? Je fais que juste leur donner ça ici, c'est l'éducation, là. Puis ça apporte leur paresse, genre à 0%. Ok, ça c'est fait.
On va continuer notre montagne. Oups. Notre montagne russe. Boum! Ouh, ça va être le fun, ça. Oups. Ah, comment. Non, c'est le truc, c'est que il faut que le manège soit excitant, mais il faut pas que ça soit tellement stressant que ça rende le monde malade. Ok, ça c'est acceptable. Là, on va dans l'autre direction. On monte. C'est assez haut. Puis, on descend. Là, c'est tough un petit peu parce qu'il faut qu'on rende ça quand même intéressant. Il y a une autre ligne ici que je peux remplir. Ça, c'est une autre chose. Si on la regarde du haut, donc si je me recule puis j'essaie de la regarder du haut, le truc d'un bon manège, ou en tout cas un bon manège en bois, c'est que ça va remplir toutes les lignes. Donc, de gauche à droite, de droite à gauche, toutes les lignes horizontales qu'on voit en ce moment vont être remplies. Oui, c'est fait pour. Ok. Demain? Ah ouais! Parfait. Un petit tournant, puis un grand tournant. Ah ouais, check ça, toi. Je vois ça. Un extra grand tournant. Comme ça. Pop, pop, pop. Ok, puis là, il en reste un. Celle-là. Donc, j'ai fait toutes les lignes. Il me reste à faire cette ligne-là, puis après ça, je peux. Je me suis tué. Pouf, je me suis peut-être pas. La sortie ici va être tough. Ok. Ptop, 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 non, ptop. On tourne, tourne. Puis ça m'aiderait en ligne avec ça, ce qui est parfait. Ptop. Wouah! Tu sais que ça, toi? Ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça. Non, hein? Non, pas du tout. Non. Pas de problème. Hey, ça s'arrange. Tu fais que le monter un petit peu. Ouais, je le sais. On t'enlève. Pardon. Toi, enlève. Plate. Monte. Parfait. Ok. Ah! Ouais, recommence à faire noir encore. Si je peux, je vais, mais je peux pas parce que ça. Oh, à moins que. Oui, je peux. Ok. On va descendre. Descendre. Plate. Splash. Ok. Ça fonctionne pas. Ah, oh ben, juste pas mettre de splash là-bas. Et on monte. Bon. Alright. Là, il faut qu'on aille se parker à la fin. Toi, qu'est-ce que tu me fais? Intéressant, hein? Une solution. Ouais, je suis correct avec ça, moi. Ok. L'entrée, on va la mettre ici. Et puis la sortie, on va la mettre en arrière ici. L'idée est que les gens puissent se rentrer plus. Et puis côté train, on va mettre le plus de trains qu'on peut. 2, 3 trains. 6, 7, 8. Ok. 7 fois 3. Toi. Il y a une affaire qui m'agace, moi. C'est en dessous ici, là. Tu passes. Comme tout le monde, là, il vient de se faire décapiter là. C'est la seule chose qui m'agace. Si c'était le monstre là, il y aurait plein de gomme partout. Y a-t-il encore plein de gomme au monstre? Quand j'étais jeune, il y avait plein de gomme au monstre. Ils m'ont peut-être tout enlevé. Ah non! Bon, ben j'ai utilisé mon budget de 10 000. Exactement. TV. 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 Lumière. 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 Bleh, lumière. Lumière. Ok, pas pire. S'il vous plaît. Oh! Oh, schnut!
Intensité 7.23. Ok, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Mais peut-être qu'il y en a qui vont. Pourquoi c'est intense de même? C'est quoi qui est si intense que ça? Ok, ben on va tester 6.88, donc on va mettre ça ici à 6.8. Puis, malgré que l'autre est à 7, tant que c'est pas en train de les tuer, tant que c'est pas genre 10, oups, c'est pas ça que je voulais faire, le super extrême, je pense qu'on va être correct. Ah, oh, il y a une personne! Il y a une personne! Hey, il y a une personne! J'ai inversé les couleurs, moi, là, hein? Ouais. Ah, il y a deux personnes! Deux personnes! Ok, et puis le nom. En l'honneur de la montagne russe à la ronde, on va l'appeler le monstre. Pow, pow, pow. Wow, ok, on va attendre qu'il y ait un train plein, puis on va aller dessus un train plein. Ok, il va être plein celui-là, là? Parfait. Alors, je vais me mettre. Ah! Ah! Ok. On va se mettre en arrière. Parce que la meilleure place à être dans un train en montagne russe, c'est en arrière. Parce que en arrière, c'est. Par le temps que le train va vite, t'es. En tout cas, ça fait comme un genre d'effet whip. Mais là, je vais arrêter de parler parce que on va. Ok, on va s'amuser avec ça. Ok, here we go. Wow! Ça, c'était peut-être un petit peu intense. Wow, ça, c'est intense! Attention, vos bras, vous allez perdre vos bras, vous allez perdre vos mains. Oh. Hey, le fait avec les couettes en avant, là, baisse tes mains. Wow. Oh, tic 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 tic. Moi, j'aimerais bien ça aller là-dessus. Ça a l'air super le fun. L'arrêt a l'air d'être un petit peu rough. Bon, ben, j'espère que vous aimez ça. Personne qui est dans l'autre personne. Ok. C'est quoi ça, l'affaire des grosses bouches, là? Puis, yiha yiha. Yiha. C'est ça? Attends un petit peu, attends un petit peu. Pause. Ah, t'as fermé ta bouche. T'avais la bouche ouverte tantôt, toi. Donc, on va garder le monstre. Check ça, toi, comme c'est beau, le monstre. Waouh! On va garder ça là pour tout de suite. On va se bâtir une pitoune. Mais ça va être dans notre prochaine vidéo. Donc, pour le moment, on va laisser ça comme que c'est. Moi, je vais sauvegarder ça. Je vais aller me coucher parce que j'ai de l'école demain. Et puis, je vous souhaite toute une bonne fin de journée. Et à la prochaine!